Bonjour tout le monde et bienvenue sur un autre épisode de Transport Fever. Combien de gaz va nous rapporter 2,4 millions aussi. Donc aujourd'hui, ce que j'ai décidé qu'on faisait, on améliore notre système de transport de train, de passagers. Donc on va partir d'ici de Yefniak, on va aller à Test de Butch. Bush, whatever, à Lille et à Montauban. On va aller à ces quatre, on va faire une ligne, on va faire ces quatre villes-là. Clic, 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 on va continuer à connecter ici. Éventuellement, on va avoir une ligne qui va passer là. Mais pour tout ça, on peut le faire en autobus. Pour tout de suite, c'est pas la fin du monde. On peut fermer ça. Donc, on va commencer par l'essentiel. Tu pars de là. Tu m'upgrades ça avec 3 lignes ou même 4 lignes. Tu vas y aller. Mets-moi ça à grande vitesse. Caténaire. Ça marche, je peux pas appliquer. Ok, pourquoi je peux pas faire l'augmentation? Collision. Ben... ok. Check bien ça, je t'arracherai de là. Bang, bang. Pourquoi il y a une collision? C'est encore mes lumières. Grande vitesse, caténaire. Appliqué. Et voilà, là je m'en viens ici, puis je mets. Ça, lumière. Ah, là je peux augmenter mes choses, ok, c'est vrai. Lumière. Là, il va falloir que je mette des. Je pense que les tracks ils peuvent pas rester de même. C'est quoi ça là? Surélever et abaisser. Si je peux tricher ça plus long, on va faire ça pour tout de suite. Je sais pas si les trains peuvent encore passer. Ah ouais, ils peuvent encore passer. Il y avait une longue section de fait là, c'est bon. Ouais. Bon, apparemment, il y a une collision aussi, en quelque part. Je sais pas pourquoi, c'est quoi le problème, mais. Fais-moi ça pour tout de suite. Je dealerai avec le reste tantôt. J'imagine que le caténaire, c'est pour les fils électriques, les trains électriques. Encore une collision ici, collision là. Comme de fait, il va y avoir une crise de lumière qui marche pas quelque part. Donc pour tout de suite, on va laisser ça comme ça. Ça sera pas un problème. Ce qu'on va faire, c'est quoi ça? C'est des points, ok. Ce qu'on va faire, on va partir de là. Comme ça, des trains à grande vitesse. Et là, je vais m'en venir tout de suite là. Où est-ce que je vais aller? Je vais aller par là. Fait que je voudrais moi ça que la track elle passe ici, mettons. Là, c'est-tu là, faut que j'aille? Ouais, c'est là. Un drive-thru, évidemment. Un drive-thru de 4 ou de 2. Devrait être en masse. De 240 mètres de long. Non, pour aller avec la plus grosse, tout de suite. Comment je les rotationne? Pas comme ça. Pas comme ça. Je me rappelle même plus comment rotationner. Non, c'est pas B. Il me semblait que c'était page up, page down. Nope.
plus. No, 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 no. Oh, ça va se regarder. Faire pivoter la caméra, non. Déplacer, déplacer, déplacer. Incliner vers le haut. Zoomer, zoomer, zoomer. Afficher. Je vais le trouver, je vais le trouver. Ne vous en faites pas. Voyons, est-ce que je suis bien... Je suis bien impatate. N. N et M. J'étais vraiment déconnecté de la société, là. J'avais aucune idée. Bon, pas ça, je vais la faire. Où c'est que je veux mettre la traque? Si je la mets direct là, ça veut dire qu'il va falloir qu'elle vienne. Qu'elle fasse le tour de même. Qu'elle passe là. De toute façon, je veux qu'elle passe 7 à cause des montagnes. Fait que je peux faire... Tourne ça à peu près là. On va prendre des routes, on va rester grosseur là. À peu près de même, puis toi. À peu près comme ça. Belle petite loupe. Puis je vais amener. Belle petite route demain, on va faire le tour qui va aider à l'agrandissement de la ville ici. Ce qu'on va faire, c'est quitter ça. On va faire ça. Grande vitesse appliquée. Je veux avoir des tracks de chemin de fer à grande vitesse qui vont venir. Qu'est-ce que ça fait? Wow, wow, wow. Là, ça va bugger en esti. Si je la connecte direct là. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait un gros tunnel qui sort là. Qui ressort juste pour ça. Combien ça coûte, cette belle affaire-là? Parfait. On veut que ça soit de même. J'essaie d'aller me reconnecter à l'autre côté. J'espère que j'ai choisi le bon. Continue de tirer la chose. Et j'avais choisi le bon, c'est bon. Collision lors du renivellement du terrain. C'est-tu ça de la collision? Ouais. Wow. J'ai détruit le track de chemin de fer. C'est pas ça que je vais faire pendant tout. Même, je veux que tu partes de là et tu t'en viennes jusqu'ici. Beau petit pont, j'espère qu'on aura plus de pont, mais qu'on est fini. Collision lors du terrain. Suis-moi la traque là. On veut que ça aille le plus vite possible. Voyons, je suis regardé de cliquer dessus évidemment.
Bon, tu fais bien ça, tu fais bien ça, et ça te sent sur une grosse côte. Gros tunnel, qui a l'air assez creux d'ailleurs. Très creux. Le tunnel est très creux, mais ça fait ce qu'on a besoin de faire. Et quasiment rendu. Et voilà. Star over cut way. T'es là? Je crois. Je crois qu'on veut que le terrain fasse ça. Essayer de réparer le petit trou, le petit problème qu'il y avait là. Comment j'arrache ça là? Parce qu'on est pogné sur deux tracks ici. Je veux. Peut-être que je vais le faire aller dans un sens, il va atteindre un bar, dans l'autre sens, il va arrêter le bar. Ça va être bon, on va faire ça de même. Je les ferai interchanger ailleurs. Je pourrais le faire interchanger ici à ta place. Non, ça va être correct de même. J'ai besoin d'une route qui va passer. Comme ça. Ce qui est le plus. Là, je peux. J'étais pas sur reste, j'étais pas sur pause apparemment. Donc là, mon beau monde, on va pouvoir commencer à passer ici. Donc, on a notre train grande vitesse qui va passer. On va dans la première ville. La deuxième ville, elle est là. Puis la troisième ville, elle est là-bas. Fait que la deuxième va arrêter juste ici. Ça a l'air de bonne place. C'est pas ça que je veux faire pendant tout. C'est ça. Si on veut que ça suive la vallée. C'est-tu shift PN? Et voilà. De même, on va te connecter ça. Là. Et là, tu vas partir, puis ça va être connecté là. Puis même que si on a été connecté comme ça, faut que les deux petits bâtiments vous, vous reconstruirez. Toi, tu en as été construire là. Tu vas faire un beau petit quadrilatère. Et voilà, on va aider au grandissement, à l'agrandissement de la ville. Ici. Après ça, on pogne nos tracks qui part de là, qu'on peut faire passer ici. De même. Mip mip, ça save. On a un nouveau. Nouvelle voiture de train. Puis là, il va y avoir un beau petit train, un beau petit pont. Pas vraiment nécessaire, mais je trouve ça beau. Comme je dis, c'est pas vraiment nécessaire, mais je trouve ça beau. Un beau petit pont de même. Je vais s'en aller jusque là. Et voilà. Fait que ça, ça va s'en aller de même. Il reste, il faut s'en aller à une autre ville qui est ici. On s'en va là. Et je veux connecter ça. Je sais que c'est pas trop nivelé. Je pourrais faire passer.
Le train passe là, Tlaloc de même, passer là. Qui va m'amener passer jusqu'ici. Comment j'en suis? Dread de même, ça va prendre des autobus, mais pour prendre des autobus, c'est pas mal tout aussi. De là, je pars intérieur. Ben, on commence par l'intérieur, ça veut dire. On essaye, désolé, le jeu est pas vraiment optimisé pour faire des trains de chemin de fer de 250 km. Et voilà, et là, on essaye de revenir. Puis il y a une collision en quelque part. On va juste faire ça de même dans ce cas-là. Puis on va le traîner jusqu'au bout. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va arriver. Ça doit avoir, il doit avoir une route qu'on doit traverser. Là. On doit traverser une route à quelque part. Puis à cause de la route, ça va être capable de calculer la pente. Non, on traverse même pas de route. Et voilà, fait que ici on a notre train qui fait des deux bords jusqu'ici. Ici, ça va prendre. Le train va arriver de même, ça va falloir qu'il s'en aille par là. On peut même. On va laisser de même, ok. On va faire ça, les lumières, comme ça. Ça va t'en aller par là, puis par là. Est-ce que je peux sens unique? Oui. Oui. Y a-t-il moyen de les mettre pour que ce soit. Non, je pense pas. Je veux qu'elle soit sens unique. Je vais être sûr que les trains ne serviront pas de bord. De même. De même. Là, ça va être le petit bout où je place à peu près 400 lumières de suite. Pour que le trafic fonctionne. Wow, je l'ai-tu mis à la bonne place? Ouais. Celle-là, je l'ai pas mis à la bonne place. Ça va pas bien. Les petites lumières, on recommence. Là, je vais placer des lumières jusqu'à temps qu'on revienne au bout. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir plusieurs trains sur la ligne. Sinon, ils vont tout le temps être backlog. Ils vont tout le temps suivre. Qu'avoir un train va pouvoir passer à la fois. Ok, peu importe. Ça n'est pas bonne place, encore une fois. Je me suis accroché. Parce que c'est là qu'il faut qu'elle aille. La queue. Tu sais, tu peux voir à quel point c'est creux. Le tunnel est même pas proche. Et voilà, comment creux que c'est. Je sais pas si on peut. Non, on peut pas. Je me demandais si on pouvait passer. Peut-être avec un train, on peut. Si on suit un train, peut-être qu'on peut. En première vue, on peut peut-être passer. Juste avant. Juste après la track. Avant la rue. Il
Donc, on a quasiment fini, j'espère, parce que je commence à être écœuré à placer des lumières. Ça coûte quand même 3 000$ la maudite lumière. Y a-tu de l'or là-dedans? Tu fais avec des circuits en or. Et là, on s'en va vers Yefniak enfin. Je me dis que ce soit comme, mettons, dans OpenTTD. Que on puisse. Placer, dire, place des lumières à toutes les 5 cases. Ça save. Ça, c'en est un tunnel où est-ce que je veux suivre un train. Pour ma curiosité, je vais suivre un train dans ce tunnel-là. Fait que c'est sûr que lorsqu'on va avoir un dépôt, c'est vrai, il faut que je place un dépôt ici-dessus. Et enfin, on peut se dire que ici le train va arriver et puis il va repartir par là. Voyons si je suis pas capable de. Le train va repartir par là. On va prendre des petites lumières qui va s'en venir. Une là. Sens unique, oui. Sens unique, oui. C'est bon. Les autres ils ont un sens unique dans un certain sens. À cette heure, un dépôt. Comment j'arrange le dépôt là pour que ça ait de l'allure? Où c'est que je peux le mettre? Si je veux que ça ait de l'allure, il faudrait que je le mette quasiment ici. Sauf qu'il y a des tunnels partout. Des belles petites lumières à toutes les 30 cm. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser l'épisode là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Google+, YouTube, Twitch, Twitter. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook, Adeli14YT. Si vous avez aimé la vidéo, je vous recommande aussi de vous abonner à la chaîne. Comme ça, ça m'encourage à continuer et ça vous donne une notification lorsque je poste d'autres vidéos du genre. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et on se revoit dans un autre épisode. Vini14, out.